et action. Ah ça, la stratégie, ça me connaît. Après la mort de mon premier mari, j'ai commencé à fréquenter des banquiers. Plein de banquiers. Et je me suis peu à peu rapprochée des cercles de pouvoir. Notamment de Barras. C'est lui qui m'a présenté un jeune général de 27 ans. En recommandant de vite l'épouser parce que... Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Vous vouliez pas parler stratégie? De stratégie militaire. Ah ouais, d'accord. De toute façon, il n'y a toujours que pour lui. Nickel, super, hein? Impeccable. Qu'est-ce qu'il y a? Non, je dis, c'est marrant. Là. Ouais, je sais pas, j'ai fait, je sais pas. Ouais, c'est bien. C'était génial, c'était ouais. Impeccable. C'était chouette. Je suis crevé, là. J'en peux plus. Elle peut s'ouvrir, cette fenêtre. Berthier, il est mort défenestré. Oui, oui. Il s'est jeté par la fenêtre. J'ai trouvé la solution à tous ces problèmes insolubles d'organisation. Oui, prince de Neuchâtel, quand même. Ah oui. Et de Wagram. Wagram. Wagram, j'ai eu dans l'os. C'est moi qui avais organisé. Paf. Il m'a tout piqué. Ah ouais, César. Ah ouais, quoi? Bah ouais, quoi. Nous sommes ici dans l'exposition Napoléon Stratège, aux Invalides, au Musée de l'Armée. Le mot stratégie, il apparaît dans les dictionnaires à la mort de Napoléon. Avant, il n'existe pas. Le but de cette exposition, c'est de donner la possibilité au public d'être Napoléon, d'être le stratège. Donc les gens pourront se glisser dans la peau de Napoléon, en quelque sorte porter le fameux chapeau de Napoléon, donc ils seront avec Napoléon dans son cabinet de travail, en train d'étudier ses cartes, ses rapports pour préparer ses campagnes. Ils seront avec Napoléon à la tête de son armée lorsqu'il envahit l'Europe. En fait, on va vraiment apprendre les stratégies gagnantes, comment Napoléon faisait pour gagner une bataille, gagner une campagne. Donc on va vous donner les clés de la stratégie gagnante, mais on va aussi vous expliquer pourquoi il a perdu. Parce que finalement, il a perdu sur les champs de bataille. Il y a, comme vous pouvez le voir là, autour de vous, 200 objets qui vont raconter cette histoire, à la fois des armes, voilà, des armes, des uniformes, des tableaux, qui datent toutes de l'époque de Napoléon. On s'amusera aussi un petit peu puisqu'on donnera la possibilité aux visiteurs d'avoir des dispositifs de multimédia interactifs. Multimédia dont vous êtes le héros, c'est-à-dire que vous allez incarner Napoléon, confronté aux choix qui ont été les siens à la bataille d'Austerlitz. Voilà. Est-ce que vous allez attaquer le plateau de Pratzen? Vous allez attaquer les Russes de Bagration? À vous de choisir, vous serez Napoléon sur les champs de bataille. Venez voir l'exposition Napoléon Stratège aux Invalides au Musée de l'Armée du 6 avril au 22 juillet.